Un autre me dit, il y avait une espèce de plinthe en céramique. Alors il me dit, du côté de la fenêtre, si tu soulèves la plinthe, tu trouves un crayon. Effectivement, il y avait un crayon. Alors ça m'a servi à écrire des vers. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire un détail important. Pourtant, si on veut, le calfactor qui venait avec son seau pour prendre, ramasser la poussière, me donnait un morceau de papier de journal, à l'usage que vous pouvez deviner. Et alors c'était tantôt un papier de journal ordinaire, tantôt un papier de revue, d'illustration, je ne sais pas quoi, bien classé, etc. Alors moi, ça me servait à plusieurs usages, avant l'usage définitif. D'abord à lire, parce que c'était quand même c'était des journaux d'époque, du moment, à apprendre quelques bribes de nouvelles, avoir quelquefois la carte du front, etc. Enfin, c'était ma lecture. Quelquefois, il y avait des petits blancs, alors ça me servait, j'écrivais, je faisais quelques vers. J'ai même écrit un poème de 100 vers, sur la situation, mais je sais pas où. Alors j'avais écrit sur le mur, je pense qu'il a disparu, sur le mur de la cellule, avec grâce à ce crayon. Je me souviens que Felouk rimait avec Mourzouk. Alors Mourzouk, c'était toujours le colonel d'Ornano, et puis je disais, au moment où Hitler se voyait déjà sur le Nil en Felouk, d'Ornano à Mourzouk, König à Birakem, d'Ornano à Mourzouk, enfin vous voyez, des magnifiques alexandrins,